Yo les, bref. Oui, j'ai essayé de faire à la Ronaldo, hein. Donc, applaudissez-moi pour ce magnifique saut, d'accord, hein. Non, sérieusement, aujourd'hui les refs, vidéo entraînement, mais avant de vous commencer cet entraînement, avant qu'on partage l'entraînement ensemble, tout simplement, j'ai trois choses très importantes à vous dire. La première chose, c'est, je vais vite fait vous expliquer, tout simplement vous parler d'une application que j'utilise moi énormément pour mes vidéos YouTube. Je demande un tonnerre d'applaudissements pour l'application Vloggy. Faut pas que je tombe, j'ai failli tomber, mais c'est pas grave. Vous avez rien vu, on coupera au montage. Bon non, sérieusement. Je vais vous expliquer vite fait l'application Vloggy, qui est une application de montage que moi-même j'utilise pour mes vidéos YouTube. Tout simplement pourquoi je voulais vous en parler, parce que ben je trouve que cette application elle est vraiment très bien. Ça fait exactement un an que j'utilise cette application, et en un an de temps, ben j'ai toujours kiffé cette application en fait, tout simplement. Écoutez bien l'explication que je vais vous donner pour cette application, parce qu'au moins vous allez voir qu'à la fin, vous aurez tout de suite envie de la télécharger. Alors, ce qui est bien avec cette application, c'est qu'on peut travailler la luminosité des vidéos, on peut travailler le son, l'éclairage, on peut travailler le cadre aussi, on peut mettre des choses, genre comme abonnez-vous, likez, partagez, on peut mettre des petites musiques, que ce soit musique de motivation, musique tranquille, on peut mettre des petits smileys, admettons qu'on veut faire une vidéo motivation, on peut mettre des phrases genre comme you can do it, c'est en anglais, ça c'est en anglais, en français ça veut dire tu peux le faire, on peut aussi mettre motivation, on peut mettre en fait des petits bonhommes, admettons on va faire un entraînement. On peut mettre, admettons, des personnages qui vont faire un mouvement de musculation pour motiver vos abonnés. On peut faire vraiment plein de choses avec cette appli. C'est ça qui est vraiment cool, c'est ça qui est vraiment cool. Surtout, ce qu'on peut faire aussi qui est bien, c'est qu'on peut mettre des petites phrases ou des petits textes. Genre comme, je sais pas, vous avez envie de mettre une phrase et tout pour que vos abonnés voient ce que vous avez marqué. Bah, vous pouvez marquer... Un truc moi que j'aime bien marquer, c'est abonnez-vous, likez, partagez. Vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez mettre un cadre autour de votre phrase, tout simplement. Vous pouvez vraiment faire un truc ça. En fait, vous pouvez faire du montage. Vous pouvez faire un bon montage sans forcément vous prendre la tête, en fait. Parce que j'ai essayé cette application-là, Vloggy. J'ai aussi essayé l'application KineMaster Pro. En fait, KineMaster Pro, elle était bien, mais il y avait vraiment trop de trucs, en fait. Il y avait vraiment trop de trucs qui faisaient qu'en fait, on était vite perdu. Et surtout, ben, KineMaster Pro, c'est un peu plus pour les gens qui veulent, qui font, voilà, du montage, mais qui font du montage parfait, quoi, tout simplement. Et tout simplement, Vloggy, en fait, comme je vous ai dit, vous pouvez faire un très bon montage sans forcément vous prendre la tête. Et ce qui est bien aussi dans ça, c'est que vous pouvez rentrer en tant qu'invité ou vous créer un compte. Ça fait que si vous avez, si là, à la fin de cette vidéo, vous téléchargez l'application Vloggy, mais que vous savez pas si vous allez la garder longtemps ou quoi, et tout, vous n'avez pas envie de vous créer un compte, parce que vous allez vous dire, je vais pas me créer un compte, si au bout de deux jours j'enlève, vous pouvez rentrer en tant qu'invité. C'est ça qui est bien. Et aussi, on peut travailler le son, on peut mettre, admettons, des petits effets, vous voyez. On peut vraiment faire plein de choses qui sont vraiment stylées, d'accord? C'est pour ça que je vous invite vraiment à la fin de la vidéo à vous aller sur votre Play Store, hein, et à télécharger l'application Vloggy. Tout simplement, à tous ceux qui ont envie de voir, bah tout simplement, voilà, bah l'application, abonnez-vous, et vous allez me dire oui, mais BZK, hein, tout simplement, comment fait-on pour voir le nom de l'application pour la télécharger? Tout simplement, le nom de l'application va venir se mettre juste ici, là. Ça va apparaître juste ici. C'est un truc de montage qu'on peut faire aussi. Faire apparaître des photos, des images, des vidéos, tous des trucs comme ça. Et ben ça va apparaître juste ici. C'était la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est tout simplement, hier soir, j'ai vu sur ma chaîne YouTube que vous étiez 109 petits potes à me suivre. Et vous étiez 109 personnes à aimer ce que je fais, tout simplement. Je voulais vous remercier. Je sais qu'en ce moment, je le fais beaucoup, mais en même temps, en ce moment, je peux que vous remercier parce que vous êtes là pour moi et vous m'avez jamais lâché. Mais me dire que dans un abonné, j'atteins les 110 abonnés, franchement, c'est juste un truc de malade, en fait. Qui aurait cru qu'un jour, un petit mec lambda comme moi, qui commence à se créer une chaîne YouTube, quoi, arrive à obtenir 110 abonnés. Franchement, c'est fou, mais j'en reviens toujours pas. C'est pour ça, continuez encore à vous abonner en cliquant juste sur le petit bouton qui va apparaître, là, juste ici. Le petit bouton des notifications va apparaître ici, alors abonnez-vous. Et surtout, un truc très important, mettez-moi un maximum de pouces bleus. Pulvérisez-moi la barre des likes pour me montrer que vous soutenez mes vidéos, pour me montrer que vous, tout simplement, vous aimez ce que je fais, quoi, tout simplement. Et la troisième chose ce que je voulais vous parler, quoi, tout simplement, c'était que, ben, tout simplement, une chose que vous devez savoir, c'est que j'ai TikTok, d'accord? Bon, j'ai pas que TikTok, j'ai Instagram, Snap, Facebook et TikTok. Et en fait,
comme YouTube en fait. J'ai commencé en une personne lambda et là je suis actuellement à 94 abonnés sur TikTok, ce qui est pas mal. Et tout simplement, bah oui, je fais un peu de la pub pour mon TikTok. Vous avez le droit de le dire, je fais de la pub pour mon TikTok, hein. Mais c'est pas grave, c'est mon TikTok, d'accord. Ce que j'allais vous dire, c'est je compte vraiment sur vous pour aller checker mon TikTok qui est bzk-10. Il va s'afficher juste ici, le nom de mon TikTok va s'afficher. Il va s'afficher juste ici, le nom de mon TikTok. Là, juste ici, là, ici. Vous voyez là? Ça va s'afficher juste ici, d'accord. Alors, je compte sur vous pour aller checker mon TikTok. Si vous aimez bien, bah, vous likez mes TikTok, vous partagez mes TikTok, vous vous abonnez à mon compte TikTok, tout simplement. Aussi, si vous avez envie de me parler sur un réseau, admettons, vous avez envie de prendre du poids, dans le sens masse musculaire, ou même prendre du poids parce que vous vous trouvez trop maigre, vous avez envie d'avoir des entraînements de musculation, vous avez envie de savoir quoi faire pendant vos séances, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est blessé, combien de temps de repos faut faire, bah, ajoutez-moi sur Facebook, le lien sera dans la description, alors allez voir ça. Si vous avez aussi envie de me parler, voilà, un peu à me découvrir, ou vous avez envie qu'on parle ensemble, quoi, tout simplement comme des potes, hein, allez me prendre sur Snap aussi, allez voir mon Insta, je compte sur vous aussi. Et je vous ai dit au début de vidéo que cette vidéo serait une vidéo entraînement, comme vous pouvez voir, je suis dans mon salon, c'est pour ça que là j'ai vite fait couper pour me mettre à l'aise, pour me mettre en jambes pour l'entraînement. Je vous ai pas dit ce qu'on allait faire comme entraînement, oui j'aime bien taper des mains, hein. J'aime bien quand ça résonne, aïe. Allez, on va se détendre, je vais terminer mes explications, ensuite on va passer dans ma chambre pour l'entraînement. Alors l'entraînement, on va faire un entraînement cardio et haut du corps. Donc je vais commencer sur mon tapis de course, après je vais faire du vélo, je vais faire aussi mes pecs, mes biceps et mes épaules. Tout simplement un entraînement qui va vraiment être lourd, qui va vraiment être bien. Et à la fin de la vidéo, bah j'allais dire un truc mais je ne sais plus quoi. Oui voilà, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer mon physique dans son intégralité. Voilà, pardon, j'ai bugué tout simplement. Donc une update de mon physique pour vous montrer un petit peu bah, que c'est pas parce que je montre plus mon physique comme avant, genre comme je fais plus autant d'updates qu'avant, que forcément je me laisse aller. Allez, je coupe vite fait 2 minutes, on se recapte après, je me mets en jambes pour l'entraînement, et c'est parti! Voilà, alors comme je vous ai dit, entraînement cardio, où on va utiliser mon vélo, mon tapis de course, mon banc de musculation aussi, où on va faire les pecs, les épaules et les biceps, tout simplement. Là, je me suis un peu échauffé, là, vite fait, j'ai aussi placé un peu mon matériel, et tout simplement, bah, on va commencer maintenant, d'accord, hein. Je mets juste bien mon vélo pour éviter de me blesser. Je mets aussi bien mon tapis. Je fais un peu de place pour être tranquille, quoi. Et ensuite, on pourra commencer. Vous inquiétez pas, je suis là. Je vous ai pas laissé tout tomber. Vous inquiétez pas. Comme ça, j'espère que vous allez bien me voir. Oui, ça, c'est un de mes shorts. Je sais pas ce qu'il fout là. Mais j'ai débarrassé ma chambre, hein. Donc, voilà. Ah oui, comme vous pouvez voir aussi, là, j'ai aussi mis mon jeu de lumière. Voilà, ça fait longtemps qu'il est là. Mais je l'ai allumé pour que ça fasse un peu stylé. La belle déco qui nous fait être détendu. Il n'y a rien de mieux, moi je vous le dis. D'accord. Alors, tout simplement, oui, j'ai oublié de préparer les haltères aussi. C'est pas grave, on va mettre le banc comme ceci, là, juste ici. Hein, on va mettre le banc juste ici. Et tout simplement, je prépare les haltères et on commence tout de suite l'entraînement. Au moins, je vais vous le préparer en direct, les haltères. Au moins, tout simplement, vous allez voir que, bah, je m'y tôt pas quand je mets les poids. Hop. Ça, c'est un poids de 2,5. Encore un poids de 2,5. Et là, je mets un poids de 1,25. Hop, 1,25. Je vous les montre. Pourquoi vous allez me dire, oui, mais pourquoi tu nous les montres? On s'en fout un petit peu, quoi. Simplement, pourquoi je vous les montre? Parce que au moins, vous... Bah là, j'ai mis où l'embout? J'ai mis où l'embout qui va là? Ah oui, il est là. Voilà. Je vous les montre pourquoi, parce que au moins ça évite que vous croyez bah, que c'est des faux poids ou que j'ai mytho quoi, que c'est qu'il n'y ait pas marqué ça sur mes haltères. Au moins ça évite que vous dites bah, que vous vous dites ouais, ils nous montrent jamais les poids de ces haltères, c'est que forcément c'est un mytho, il n'y a pas ça comme poids, voilà tout simplement. Et il faut savoir aussi qu'avec tous les poids que j'ai pour mes haltères, j'en ai pour en tout 30 kg. Bien sûr, ça m'arrive de porter du 30 kg, j'en porte pas beaucoup, mais ça m'arrive d'en porter du 30 kg. Mais juste quand je suis en pleine forme et quand je sens que je peux les porter, quoi. Parce que c'est pareil chez vous aussi. Si vous commencez à,
à faire de la musculation, ou ça fait longtemps que vous faites de la musculation, mais que vous, vous connaissez pas encore bien vos performances et votre corps, n'essayez pas de vouloir forcer ou faire n'importe quoi. Je veux pas que vous vous blessez. Bon, le premier y est fait, donc la grosseur de l'haltère, comme ça, hein. Au calme. Maintenant, on va faire le deuxième, encore en direct, au moins vous voyez que je m'y tourne vraiment pas, quoi, et que quand je vous dis que je prépare vraiment mes haltères, c'est que je les prépare vraiment, quoi. Hop. Un poids de 2,25 encore une fois. 2,25 encore une fois. Et 1,25. Ça, c'est parfait. On sert bien. Et surtout quand vous mettez, là, moi j'appelle ça des boulons, mais quand vous mettez ça là sur vos haltères, les genres de petits boulons ou appelez ça comme vous avez envie, voilà. Et ben serrez-le bien parce qu'une fois ça m'est arrivé, et je pense que ça vous est déjà arrivé aussi à tous ceux qui font de la musculation. On met les poids, d'accord, on ferme mal le boulon, et en fait quand on fait la quand on pousse nos haltères, ben simplement, ils se desserrent, on se prend les haltères, on se prend les poids sur la tête, quoi. Et je pense que ça, en pleine vidéo, ben on fait le buzz, je pense. C'est pour ça, on va bien les serrer parce que je vais pas me blesser, tout simplement, parce que demain, voilà, je vais à l'école, et surtout parce que j'ai encore envie de faire mes vidéos YouTube, quoi, parce que c'est un peu ma passion maintenant, hein. Voilà, on va arrêter de crier par contre. En fait, je crois que vous m'entendez bien quand je parle normalement. Alors j'arrête de crier parce que ça devient un peu bizarre. Bon, fini les blabla, on commence tout de suite. Hop, avec le tapis de course. Tout simplement. Je monte dessus. Et cette fois, je vais essayer de faire pas comme une fois j'ai fait. Je me souviens mes débuts. Comme j'étais pas trop stable dessus, comme ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Je terminais toujours dans le mur, c'est pour ça. Là, je vais bien me concentrer. Je vais faire en sorte de pas finir dans le mur. Et je compte sur vous pour vous abonner, comme je vous ai dit, en cliquant sur le petit bouton qui va apparaître, activer la cloche de notification. Mettez-moi plutôt pulvérisez-moi la barre des pouces bleus. Je compte sur vous aussi. Partagez cet entraînement. Et vamos, on commence tout de suite. On allume le tapis. Hop. On part tout de suite à 7, au moins je cours tout de suite, je fais monter mon système cardiovasculaire, au moins comme ça on est bien, hop, on court un petit peu. Et quand vous faites du tapis de course et que vous courez, pensez à bien souffler, d'accord. Si vous avez besoin de vous tenir ici, bah, tenez-vous ici tout simplement, parce que quand l'effort est trop intense et qu'elle demande un peu plus, faut pas hésiter à se tenir, quoi. Pensez à bien souffler, et quand vous êtes sur un tapis de course, qu'il soit comme le mien, voilà, qu'il soit comme le mien, grand, petit ou quoi, caisse. Pensez à bien sortir vos pecs, pensez à bien souffler. Et à vous concentrer. Parce que les accidents où il y a plein de monde qui termine contre un mur, ce qui m'est déjà arrivé en pleine vidéo, hein, ben ça arrive à tout le monde. Alors j'ai vite fait vous expliquer l'entraînement. Là je fais, pendant quelques minutes, je fais du tapis pour bien commencer à bosser le cardio. Ensuite, je vais sur le vélo. Ensuite, je passe au banc avec les haltères. Où là, je ferai donc mes épaules, mes pecs et mes biceps. J'espère que cet entraînement va vous plaire. Comme vous pouvez voir, pour une fois, je suis avec mes frères et sœurs. Simplement parce qu'ils sont à l'école. Et surtout, ben voilà, ils peuvent faire du sport, mais sans trop abuser non plus. Et comme en ce moment ils en font beaucoup avec moi, ben je veux pas qu'ils se blessent, bon, tout simplement. Allez, fini les blabla, on se concentre, on donne tout, avec le sourire, on charbonne. Oh punaise! Voilà. Le cardio là il est bien monté, Ça c'est fait. Maintenant on va passer au vélo. Pour travailler à la fois les cuisses comme le cardio. C'est pareil, quand vous êtes sur le vélo, pensez à bien souffler, d'accord. Pensez aussi à bien. Pensez à bien contracter vos cuisses, mais surtout pensez à bien faire le mouvement et vous allez voir, vous n'allez pas vous blesser.
Allez, on donne tout, allez. On donne tout, on lâche rien. On aime ce qu'on fait. Je vais mettre un peu plus dur, Hop. Et moi, l'avantage que j'ai sur mon bureau d'appartement, c'est qu'en fait, j'ai un bouton pour mettre soit plus facile, soit beaucoup plus dur. En fait, quand je mets plus dur, je bosse encore plus, je bosse mes cuisses, en fait, tout simplement. Ça fait, je fais mon cardio, en même temps, je fais mes cuisses, et ça, c'est parfait. Oh, par contre, je vous préviens, ça tape fort dans les cuisses. Donc, ça fait, si durant cet entraînement, je crie, c'est que je prends déjà du plaisir, et le deux, c'est que ça pique. Oh, on donne tout, on lâche pas. Fermez les yeux et visez un objectif, faites comme si vous êtes en train de faire le tour de France là. Et vous êtes bientôt arrivé aux deux, à la ligne d'arrivée. Vous donnez tout. Dernière ligne droite, allez. On donne tout. C'est maintenant qu'il faut tout donner, allez. Dernière ligne droite, allez. Ah. Ah. On donne tout, allez, allez, allez. Ah. Oui. Oh. Oh. Oh, mes cuisses. Et surtout mon cardio. Oh, le cardio, il est bien monté là. Ah. Ah. Et bien sûr, ce n'est pas tout, hein. Maintenant, on va faire, comme je vous ai dit, le haut du corps. Donc, les pecs, épaules, bibi. On va commencer parce que, à chaque fois que je fais ces trois muscles-là, je commence toujours par les pecs. Là, on va commencer par les biceps. Ensuite, on va faire les épaules, d'accord. Et ensuite, on fera les pecs. Hop. On vient mettre les haltères ici. Et sur les haltères, il y a lourd. Mais quand je dis lourd, c'est très très lourd. Alors faites gaffe à votre mouvement, contrôlez bien votre charge, faites attention à ce que vous faites, sinon vous risquerez de vous blesser quoi. Allez, le dos bien droit, même qu'il y a lourd, le dos bien droit. Il n'y a que les bras qui bougent, sinon le reste ne bouge pas. On reste bien concentré, on souffle bien, on reste concentré, on aime ce qu'on fait, on est là pour ça. J'espère que grâce à cet entraînement, je vais obtenir et on va atteindre ensemble les 110 abonnés. Je compte sur vous, comme je vous ai dit, pour vous abonner, pour partager, pour me péter, que dis-je, pour me pulvériser la barre des pouces bleus, pour vous activer le bouton des notifications aussi. Je compte sur vous aussi, pour vous donner tout. J'espère que cet entraînement vous plaît. Ah, allez, on donne tout, on lâche pas. C'est maintenant qu'on doit montrer un peu à tous ceux qui nous ont critiqués, à tous les rageux et les haters, ce qu'on vaut un petit peu. Ah, c'est maintenant qu'il faut leur montrer que si on s'est mis à la musculation, c'est pas pour rien. C'est maintenant qu'il faut leur montrer que nos muscles, ce n'est pas de la gonflette, c'est aussi de la force. Je veux que quand vous vous regardez dans le miroir, vous êtes fiers de vous. Ah, je veux que vos potes sont fiers de vous. Ah, je veux que vos parents, votre famille, vos proches sont fiers de l'ado ou de l'adulte ou de l'enfant que vous devenez. Ah, allez. Ah, allez, on donne tout, allez. Ah, allez, encore, 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 allez. Allez, ça peut passer, allez. On souffle bien, on transpire, on congestionne, mais c'est pas grave. On est fait pour ça, on est né pour ça, et on donne tout, allez. Ah, encore une. Ah, encore une. Ah, ah, ah. Oh, oh, biceps, c'est fait. Oh. De la congestion. Ah, oh, ça pique. Oh. Maintenant, on va passer aux épaules. Donc, on va faire développer militaire comme ça. Comme ça, on va faire un deuxième exercice au développé militaire, mais à la place de faire que ça, on va venir faire comme ça ici, et comme ça, et comme ça. Du corps, bien ressentir la congestion, et ensuite on passera pour les pecs. Mais avant, épaules, pour avoir des épaules bien galbées, bien volumineuses, et pour péter nos t-shirts. Vous êtes prêts? Développé militaire, c'est parti. Allez. Comme je vous ai dit, il y a lourd, alors on pense à bien contrôler le mouvement, on pense à bien souffler, on se concentre. On vise un objectif devant nous. Oui, c'est lourd. Oui, on en a marre. Oui, on galère, mais c'est pas grave. Oh. Ah, ça pique. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah, 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 ah,
Deuxième exercice pour les épaules. Encore une fois, développé militaire, mais on va juste venir ajouter quelque chose à la fin. Hop, on sort. On revient ici. Hop, ça. Et on revient ici. Hop, comme ça. Et on revient ici. Hop. Ah, faut aller en même temps. Les épaules, c'est fait. J'espère que vous nous aimez bien cet entraînement. Que vous ressentez bien la congestion au niveau de vos biceps et vos épaules. Maintenant, on passe pour les pecs. Ensuite, l'entraînement sera fini. Et n'oubliez pas, ne coupez pas la vidéo tout de suite. D'accord? Parce qu'à la fin, je vais vous faire un update de mon physique. Mais entière, quoi. D'accord? Allez. Les derniers exercices. On voit bientôt le bout du tunnel. Ça y est. Allez. Développez couché. Alter. On pense à bien souffler, à bien gainer, à bien se concentrer. On souffle avec le sourire. Parce qu'on aime ce qu'on fait et on est là pour ça. Si on veut devenir des machines de guerre, c'est tous les jours. Si on veut être des tortons, c'est tous les jours. Hop. Deuxième exercice. Ah, pensez à bien souffler, comme je vous ai dit, c'est vraiment très important. Ah, 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 punaise. Alors, troisième exercice. Développer, écarter. Encore 3, 1, 2, 3, encore une, allez, 4, encore une, 5, j'en ai perdu ma casquette, quoi, tellement que c'était intense. Alors, comme vous pouvez voir, je suis en PLS, je transpire, j'ai une congestion de l'espace, d'accord? Mais comme je vous ai dit, je vais pas vous laisser avec juste ça, d'accord? Je coupe 2 minutes, je me réessuie un peu mon visage et on se prépare pour l'update de mon physique. Go! De retour dans mon salon, parce qu'ici la luminosité est juste parfaite pour que vous voyez bien mon physique. Là, voilà, il n'y a pas trop de lumière qui vient sur mon physique. Au moins, on voit que je suis naturel et que j'ai rien rajouté. Tout simplement, on va commencer par le haut du corps et mes cuisses, je vous les montrerai après. Hop, biceps. Après, si là mes biceps, si là mes pecs, mes biceps et mes épaules sont un peu plus volumineux que d'habitude quand je fais des updates à froid, c'est parce que là, comme vous venez de voir, je viens de les bosser. Mais bon, ça change rien. Hop, biceps. Double biceps. Hop, triceps. Notre. 1, 2. Ok. Abdos. Oblique. Ceux qui savent pas les obliques, c'est ici. Oblique. Les pecs. Alors, beaucoup, je me rapproche pour que vous voyez vraiment bien la congestion de profil pour vous montrer la congestion des pecs. Les épaules. Derrière. C'est parfait. Hop, deux profils pour que je vous montre l'autre pec aussi. Voilà, épaules. Épaules. Hop, épaule de côté et épaule de derrière, voilà. Le dos, alors, commencez comme ça pour vous montrer la largeur. Donc, comme vous pouvez voir, juste ici, là. Oui, on dirait une carapace, hein, mais... Tartank, hein. Bon, hop, je vais essayer de bien vous poser pour le dos. Après, je suis pas un professionnel, hein, mais... Encore une fois pour les biceps.
rétrit encore. Biceps. Tri-tri. Abdos. Voilà. Maintenant, j'essaie de vous montrer vite fait les cuisses. Hein. Parce que bah c'est bien beau de montrer le bas, bah le haut, mais faut aussi montrer le bas. Je sais pas si les cuisses, vous allez bien y voir, mais... Je vous montre un petit peu comme ça. Oui, elles sont blanches, hein, mais... On s'en fout qu'elles sont blanches. Le principal, c'est les muscles. Hop. Voilà. Comme ça. Voilà. C'était tout pour l'update de mon physique. Alors, je compte sur vous pour vous abonner, pour partager cet entraînement, cette vidéo, pour, comme je vous ai dit, télécharger l'application Vloggy qui, comme je vous ai dit, qui va juste apparaître ici. Pensez à vous abonner en cliquant sur le petit bouton qui va apparaître là. À appuyer sur le bouton des notifications, le bouton va apparaître juste ici. Je compte sur vous aussi pour partager, pour me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo et de cet entraînement. Salut, bye, je vous aime. Grosse force à vous. Bon après-midi à tout le monde et salut.